Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une salade niçoise. Alors, pour faire cette salade niçoise, il me faut un œuf par personne, du riz, l'équivalent pour 4 personnes, une boîte de haricots verts ou des haricots verts frais, deux boîtes de thon à l'huile d'olive, des olives, normalement on met des noires, mais moi j'aime pas trop ça, donc là je vais mettre des vertes, mais la recette c'est des noires. Donc des olives, des filets d'anchois, soit des fois c'est des petites boîtes de conserve, puis des fois c'est des petits pots comme ça. Hein. Donc j'ai pris la moitié du pot, une dizaine de filets d'anchois, un oignon blanc, la moitié d'un gros oignon blanc que j'ai coupé en lamelles, vous voyez, pour que ça fasse ça dans la salade, hein. Pas des morceaux. Hein. Ensuite, il y a l'équivalent d'un poivron et demi ici. J'ai mis une demi de chaque pour avoir plein de couleurs. Et il faut un saladier. Donc, on va au préalable, cuire nos œufs durs. Donc, dès que l'eau bout, on pose les œufs dedans et c'est 15 minutes pour qu'ils soient durs. On pré-cuit, enfin, on cuit carrément notre riz avant. Là, il est froid, c'est parfait. Donc, je vais mettre mon riz dans mon plat. C'est clair que là, c'est pour 4. Hein, si vous êtes que 2, si vous voulez faire qu'une fois, ou vous faites pour 4 assiettes, 2 repas, vous faites cette dose-là, autrement, vous faites la moitié. Hein. Alors, j'ai mis mon riz. Je vais y mettre mes oignons, mes poivrons que j'ai préalablement coupés. Je vais mettre tout ça dans mon riz. Ça fait déjà des belles couleurs. Ensuite, je vais y mettre mes haricots. Voilà. Je vais y mettre mes deux boîtes de thon. Je vais y mettre mes olives. Je vais y mettre mes anchois. Je vais mélanger tout ça en émiettant le thon. Hein. Avant de le mélanger, je l'émiette. Voilà, celui-ci aussi. Voilà, et je vais commencer à mélanger le tout pour qu'il y ait de tout partout. Donc on mélange ça correctement. Alors là, j'ai mis de l'oignon blanc, mais vous pouvez mettre de l'oignon rouge aussi. Hein. L'oignon jaune, c'est vraiment fort. Si vous n'avez que de l'oignon jaune, il faut vraiment en mettre peu. Hein. Sinon, ça, c'est beaucoup trop fort pour le plat. Donc, on casse bien les petits bouts de thon quand il y en a des qui sont un peu trop gros. On fait une vinaigrette à côté. De cette façon, si on ne finit pas toute la salade le même soir, ou le même midi, eh bien, les légumes ne cuisent pas avec le vinaigre. Donc, on fait une petite vinaigrette à côté. Voilà, bah écoutez, ça m'a l'air d'être bien mélangé. Voilà, ensuite, on va prendre un couteau pour couper nos œufs par la moitié. Vous voyez, 15 minutes, ça fait des beaux œufs durs. Hein. Et on va venir les poser en déco sur le plat.
décore notre plat. On enlève bien toutes les coquilles, sinon ça grince dans les dents. Et c'est vraiment pas bon. Voilà. Et le dernier que l'on va mettre au milieu. Voilà, une petite vinaigrette à côté. Et le tour est joué. Voilà, pour 4 gros mangeurs ou plusieurs assiettes à 2. Voilà. Il n'y a plus qu'à dévorer. Bon appétit!